لا لا معايا شكون معايا شكون تهانو تهانو شد شد رب بلاصك ما عادش نعملوا عليكم انتم اي با با اي مسخطني C'était à 6h10 et j'étais dans le métro sur les quais et il y a un homme qui est venu me voir pour me dire bravo pour ton courage, blablabla. Et moi j'ai dit merci, ok, le mec il m'a attrapé par les mains. Je lui ai dit, j'ai commencé à rigoler parce que j'ai cru que c'était juste quelqu'un qui voulait me prendre pour un café ou un truc et moi j'ai dit non, j'ai pas le temps. Et là, le mec, il commence à me tirer plus fort. Et quand on était sortis de métro, on a trouvé 4 mecs barbus, des salafistes, qui étaient en train de m'attendre et qui ont commencé à m'insulter. Et après, ils m'ont attrapé et un mec m'a dit « Tu ne mérites pas la beauté que Allah t'a donnée », genre un truc très débile. Et après, il m'a rasé les sourcils, il a commencé à me raser les cheveux. Et là, j'ai commencé à leur supplier, genre, laissez-moi, s'il vous plaît, avec tous les mots possibles. Et après, j'ai eu une autre idée qui m'a sauvé la vie, en fait. C'est que j'ai dit que je redeviens musulmane. Et j'ai commencé à citer des verses du Coran. Ça m'a choqué que ça arrivait comme ça, qu'il y a des gens qui passent dans la rue, qu'ils n'ont même pas arrêté ou qu'ils n'ont même pas appelé la police. Et voilà ce qui me choque le plus, quoi. Ouais. Mais il y a longtemps, hein. Je suis partie en mars, avril.